Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur Zelda Breath of the Wild. Qui va vous montrer comment faire la machine volante. Alors, je m'excuse pour ma voix, c'est juste que je suis malade, donc bref, on s'en fout, on est là pour le tuto. Donc, il va falloir vous rendre dans le volcan. Je vais vous montrer la position, voilà, dans la montagne de la mort si vous préférez, voilà. Et il va falloir vous rendre précisément ici. Attendez, voilà, ici. Là, vous voyez des rails. Et au bout des rails, qui sont juste là, vous aurez ça. Et ça va nous servir. Donc, il faut le prendre avec le... Comment ça s'appelle déjà? Cinesis Plus. Voilà. Mais non, attends, c'est pas Cinesis. Le Polaris, voilà, pardon. Donc on prend avec le Polaris et on va l'emmener avec nous. Et on va devoir faire un peu de marche avec parce qu'il va falloir nous trouver. Ok, je suis allumé. Il va falloir nous trouver comment on appelle ça? Une espèce de carré, hein, une boîte pour s'en servir de. Parce qu'en fait, il va falloir le mettre dessus parce que vous savez que sur le jeu, avec que j'ai utilisé, j'ai encore oublié le nom. Le truc là. Attendez. Merde, le bruit. Le Polaris, voilà, putain, je vais revenir. Ah, il y en a un deuxième là, ok, mais bon, c'est pas grave. Avec le Polaris, on peut pas s'auto-élever dans le ciel. Mais en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est que dans le wagon que je suis en train de tenir, on va placer un cube, un bloc, appelez ce que vous voulez. On va placer un cube et vu qu'on sera sur le cube et pas sur le wagon, on va pouvoir surélever le wagon qui est sur le cube. Ce qui va avoir pour effet de nous faire voler dans les airs. Il va falloir qu'on contrôle nous-mêmes et ça, par contre, c'est un peu compliqué, c'est vrai, je dois avouer. Et, ah oui, ne faites pas attention à la lave qui est sur moi. Vous voyez les textures noires là? Et ben ça je sais pas comment on fait pour écrire. Voilà. Si quelqu'un sait, enfin si des gens savent, surpreneur. Donc attendez, est-ce que je me dirige au bon endroit? Non. Clairement non. Ok. Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Alors, on va oh putain, pas dans la lave. Tout, mais pas dans la lave. Voilà, ça va aller. Oh, bah, ça va. Tranquille, donc. Hop. Voilà, et on va aller se rendre là-bas. Voyez au fond de l'écran. Donc il faut que je suis con, c'est juste là. Ça fait un peu de temps que j'ai pas joué à Breath of the Wild, donc je vais vous donner. D'ailleurs, c'est pas si je fais des vidéos dessus. Ok, donc j'ai notre chemin. Oh, un oiseau, coucou l'oiseau. On est presque arrivé.
Attendez. Ok, donc là, il va falloir éviter de se faire repérer parce que c'est pas notre but. On va poser sur une surface à peu près plate. Alors on va le mettre ici, là, voilà, c'est à peu près plat. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver une surface plate là où on est. Ok, parfait. Donc, on va. Ok, très bien. On va prendre une box, une boîte, un carré, un cube, tout le monde. Ça va les gars, tranquille, vous voyez une boîte qui vole et vous vous dites non non rien, tout va bien, c'est normal, ça arrive. Bref, on va le poser dans le chariot, comme ça, voilà. Et maintenant, on va grimper dessus, si j'y arrive, voilà, on est dessus. Et on va, il ne reste plus qu'à faire comme ça. Alors par contre là, voilà, oh putain ça bouge tout seul. Donc, on peut monter avec le joystick droit. Oh putain, pas au-dessus de la lave. Non, 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 non. On va partir en paille. Oh. Alors, c'est hyper compliqué à manier. Alors, déjà, ça bouge tout seul. Hein. Alors, j'essaie de. Ah, par contre, si jamais ça lâche. Alors, il faut aussi que vous fassiez très attention que Link reste bien au milieu du carré. S'il est trop au bord du carré, eh ben, il se peut que le jeu détecte que vous soyez sur. Un chariot, et qui du coup il fasse arrêter le Polaris et que vous tombez. Et si vous tombez et que comme moi vous êtes con, vous êtes sur la lave. Non. Voilà. Ah oui, alors par contre, du coup, on a un petit problème, c'est que les boîtes elles se cassent, donc c'est pas. Voilà. Voilà, bah, la boîte se casse, c'est super. Ah ouais, une viande cuite, bah ça se fait gagner. Donc voilà, bon bah c'est la fin du tuto, bon bah moi ça a été pas ouf, hein, voilà, ça a pas duré longtemps, mais c'est un peu compliqué à s'adapter aux commandes, mais avec un peu d'effort et tout, avec un peu d'entraînement, on peut y arriver, voilà, donc on peut voler, et avec ça vous pourrez faire le tour de la map. Alors, c'est un peu compliqué quand même, parce que la map elle est grande, hein, voilà, vous voyez quand même, moi j'ai fait ça, voilà, vous avez vu comment j'ai galéré, j'ai fait que ça, et il y a tout ça à faire quand même, hein, donc pour vous donner une idée, voilà. Donc bah bonne chance, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, au revoir, et au revoir.